attention. Il nous a suivis. Tous ces guettes et poser les chars. Charge posée. Tout le monde à terre. À terre! Un problème de moins. Commandant, nous sommes en approche. Je vais nous poser aussi près du site que possible. La bombe est presque prête, lieutenant. Rejoignez le point de rendez-vous. On est bloqué au pont flottant à l'extérieur de la base. On est en train de se faire aligner. On ne sera jamais au point de rendez-vous à temps. Sortez-les de là, Joker, tout de suite. Négatif, c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. On les retient aussi longtemps qu'on... Ça va aller, commandant. Il me faut quelques minutes pour finir d'armer la bombe. Allez les chercher et retrouvez-moi ici. On va à la tour. Allez. Thank you.
vient de repérer un transport de troupes qui se dirige droit sur vous. Il est déjà là. Il débarque ses troupes sur le site. Vous pourrez les contenir ? Ils sont trop nombreux. Je crois qu'on n'y arrivera pas. J'active la bombe. Artilleur, qu'est-ce que vous faites ? Je vais me débrouiller pour que la bombe explose, quoi qu'il arrive. C'est fait, commandant. Allez chercher le lieutenant et fichez le camp d'ici. Négatif. On pourra se débrouiller. Retournez chercher Williams. Williams, contactez Joker et dites-lui de nous retrouver sur le site de la bombe. Oui, commandant. C'est la meilleure solution, et vous le savez, Ash. Désolé, Kaidan. Il fallait faire un choix. Je comprends, commandant. Je n'ai aucun regret. Je vais réduire cet endroit en poussière. De ces machines. Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan au conseil. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la logique. On se bat même si on sait qu'on n'a aucune chance. Mais en collaborant avec les moissonneurs, en nous rendant utiles, imaginez le nombre de vies qu'on pourrait économiser. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign, même si j'étais conscient du danger. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous avez peur que Sovereign vous influence. Vous avez peur qu'il contrôle vos pensées. J'ai étudié les effets de l'endoctrine. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant. Mais le passage d'allié à serviteur peut être subtil. Ne me laisserai pas faire. Et pourquoi les Gates suivent-ils Sovereign ? Parce qu'ils le prennent pour une sorte de dieu, le sommet de leur évolution. Mais la réaction de Sovereign est pour le moins parlante.
se sent insulté. Sovereign n'a que faire de la pitoyable dévotion que lui offrent les quêtes. Ce sont des instruments, et leur foi n'y changera rien. Mais en tant qu'instruments, ils sont utiles. Ils vont survivre à la moisson. Pour être épargnés, nous aussi, il faut donc faire la preuve de notre utilité. Il faut collaborer avec les moissonneurs. Dites-moi pourquoi Sovereign a besoin du canal. Dites-moi ce que c'est. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de les arrêter. Le canal est la clé de votre destruction et de mon salut. Sovereign a besoin de moi pour le trouver. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas été endoctriné. Sovereign vous manipule et vous ne le savez même pas. Vous êtes déjà à sa botte. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Ensemble, on peut arrêter Sovereign. Les maçonneurs ne sont pas invincibles, on peut les écraser. Je n'y crois plus, Shepard. On ne peut pas contester les visions. Les moissonneurs sont trop puissants. Pour s'en sortir, le seul espoir, c'est de s'allier à eux. Sovereign est une machine, et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra ménager. Il n'y a pas d'autre conclusion logique. Vous étiez un spectre. Vous aviez juré de défendre la galaxie, et vous avez trahi votre parole pour sauver votre peau. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas. Sovereign sera victorieux, c'est inévitable. Ma décision est la seule valable si nous voulons survivre. Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous, entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vies que la galaxie n'a jamais portées. Mais vous voulez détruire mon œuvre. Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement. Pour cela, vous méritez de mourir.